Prévenu. Silence. S'il vous plaît. Silence. Prévenu. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le Président, messieurs les jurés, j'ai très peu de choses à vous dire. Je l'aimais. Silence, s'il vous plaît. Je l'aimais. Non point d'un amour sensuel, non point d'une simple tendresse d'âme et de cœur, mais d'un amour absolu, complet, d'une passion éperdue. Écoutez-moi. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai éprouvé en la voyant une étrange sensation. Ce ne fut pas de l'étonnement, ni de l'admiration, ce ne fut pas ce qu'on appelle le coup de foudre, mais un sentiment de bien-être délicieux. Comme si on m'eût plongé dans sa main tiède. Ses gestes me séduisaient, sa voix me ravissait, toute sa personne me donnait un plaisir infini à regarder. Il me semblait aussi que je la connaissais depuis longtemps, que je l'avais vue déjà. Elle m'apparaissait comme une réponse à un appel jeté par mon âme. Le contact de sa main dans ma main m'était un tel délice que je n'en ai point imaginé de semblable auparavant. Son sourire versait dans mes yeux une allégresse folle, me donnait envie de courir, de danser, de me rouler par terre. Elle devint donc ma maîtresse. Elle fut plus que cela, elle fut ma vie même. Je n'attendais plus rien sur la terre. Je n'espérais plus rien. Je n'enviais plus rien. Or, un soir que nous étions allés nous promener un peu loin le long de la rivière, la pluie nous surprit et le froid. Le lendemain, une fluxion de poitrine se déclara. 8 jours après, elle expirait. Pendant les longues heures d'agonie, l'étonnement, l'effarement m'empêchèrent de bien comprendre, de bien réfléchir. Quand elle fut morte, le désespoir brutal m'étourdit tellement que
Je n'avais plus de pensée. Je pleurais. Pendant les horribles phases de l'ensevelissement, ma douleur aiguë, furieuse, était encore une douleur de fou, une sorte de douleur sensuelle, physique. Alors, une idée fixe entra en moi. Je ne la reverrai plus. Quand on réfléchit à cela, pendant un jour tout entier, la démence vous emporte sans vue. Un être est là, que vous adorez, un être unique, car dans toute l'étendue de la Terre, il n'y en existe pas un second qui lui ressemble. Cet être s'est donné à vous, il crée cette mystérieuse union qu'on nomme l'amour. Son œil vous semble plus vaste que l'espace, plus charmant que le monde, son œil clair vous sourit la tendresse. Cet être vous aime. Quand il vous parle, sa voix vous verse un flot de bonheur. Et puis tout d'un coup, il disparaît. Songez, il disparaît. Pas simplement pour vous, pour toujours. Il est mort. Vous comprenez ce mot ? Jamais, 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 nulle part, cet être n'existera plus. Jamais, cette voix, jamais une voix pareille parmi toutes les voix humaines ne prononcera de la même façon un des mots que prononçait la sienne. Jamais aucun visage ne renaîtra semblable au sien. Jamais. Elle souriait, elle m'aimait, plus rien. Que son corps frais, chaud, si doux, si blanc, si beau, s'en allait en pourriture dans le fond d'une boîte sous la terre. Et son âme, sa pensée, son amour, ou ne plus la revoir. Ne plus la revoir. L'idée me hantait de ce corps décomposé que je pourrais peut-être reconnaître pourtant. Et je voulus la regarder une dernière fois.
Était bleu, bouffi, épouvantable. J'ai gardé, comme on garde le parfum d'une femme après une étreinte d'amour, l'odeur immonde de sa pourriture, l'odeur de ma bien-aimée. Faites de moi ce que vous voudrez.